Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Nous sommes repartis pour une nouvelle session de Star Ocean The Second Story. On reprend donc l'aventure, direction a priori Click, une ville portuaire qui devrait nous permettre d'atteindre le continent d'elle. Bref, c'est parti. Salut Tidros, comment ça va? Moi un pec mec. Alors, on venait de récupérer aussi un nouveau personnage, Céline. Qui est aussi d'Expel. Comment ils appellent ça? Un Expelien. Voilà, c'est très simple. Tout comme Rena, quoi. Allez, on se met tout de suite en direction de Click. Je crois que c'était au nord qu'il fallait aller. Alors, par contre, ouais. Le nord, c'est où? Parce qu'on a une carte, mais le nord ça peut être là, tout comme ça peut être là, mais je pense que c'est par là-bas, là où on voit une espèce de rivière. Et j'espère en tout cas. On va essayer de trouver un panneau, parce que c'en est un ça. Things will work out somehow. They're nothing. Windblade! Windblade! Ha! Unexpectedly weak. Ouais, je sais toujours pas où se trouve le nord avec ça. Donc c'est bien au nord en tout cas, Click. Nord-ouest, palais de la montagne. Est, Mars Early. Sud-ouest. Bon, grâce à ça, je vais pouvoir m'en sortir. Donc, sud-ouest. Ok, si on suit la logique, c'est bien. Mais je pense par là, en fait. Hein. Ouais. Ça, ça va être le machin de la montagne, je sais pas quoi. Oh, it's just them. Beware. Ha! Fireball! Ha! Hit it! Ha! 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 We have a full score with this! Est-ce qu'on peut y aller ici? Je pense pas. Hein. Non. On va passer par là-bas. There's the enemy. We can win this. Windblade! Windblade! Yeah. Looks like we won. I did it. Flèche énergie. Elle a pas déjà assez de sorts comme ça? Ah non, là c'était Rena. Rena. Non. Non, c'était Céline. Sort, attaquant un ennemi avec une flèche légère possédant une énergie négative. Oh, ça coûte cher. Là, faut remettre ça. Mais faudrait qu'elle utilise uniquement boule de feu, hein. Ça coûte 2, c'est bon quoi. Ça suffit. On va reprendre la route. We can win this. Beware. Elle attaque plus? Ah si. Au dernier moment, c'est décidé. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y avait du stuff pour elle. À mon avis, ça c'est pas Click. Hein.
Oula! Pourquoi ça devient rouge là? Non, de toute façon, c'est pas par là. Donc, clic, ça doit être l'autre point rouge. Oh, it's just them. Beware! Paw! Ray! You're too easy. On va le désactiver ce machin. Ça n'a pas trop de sens. C'était rien. Ça me paraît loin quand même pour être l'objectif, mais bon. On va voir. Oh, here's the enemy. Beware. Looks like we won. Here's the enemy. Better be careful. Hein? C'est pas les mêmes ceux-là. Ça y est, se défend enfin. D'accord. C'est la magie que je viens de lui débloquer. Elle est carrément stylée. Port de Click, c'est bien ici. Bienvenue à Click, vous savez qu'il y a un vaisseau au port? Maintenant, oui. Ok. Une auberge. Maintenant que je suis maquillé, je vais peut-être sortir. Ok. Ça va, la fameuse grotte de Croix. Donc celle qui était rattachée à la ville d'avant. M'a permis de faire pas mal de thunes en fait. Je sais pas si c'était optionnel. Cela fait combien de temps que le globe de sorcellerie est tombé sur Luria? Aucune idée. Dépenser beaucoup. Bracelet. Ah ouais. Bon, il y a plein de trucs, mais je suis pas sûr que ça me serve. Il y a du craft à mort aussi. Mais pareil, je sais pas trop comment je vais mettre tout ça. Au tonneux heureux. C'est cher et je finis par boire à petite gorgée. Vous avez choisi? Que diriez-vous de la spécialité de la maison? Un joli fama. Il y a des vues magnifiques de Click, prenez le temps de les admirer, comme moi. Je ne me sens pas très bien, j'ai mangé trop de gâteaux épicés. Andrew, le sculpteur sur bois. Eh, vous avez vu mon bois?
Ah d'accord, c'était son nom en fait. Son nom au complet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à me proposer là? Un petit up en tout cas. Ah. Ah ouais d'accord, là un bâton éclaté quoi. Ça fait que 10. Magie 5. Dommage, elle peut pas mettre les points d'acier là. Bon. Bon, il y a un petit up, mais pas pour Céline là. Bon, on sait pas trop ce que ça fait tout ça. C'est pas grave. Ça c'est fait. Occidental, oriental, traditionnel et moderne. Les meilleurs produits cuisinés par un cordon bleu. J'aime bien le nom du resto. Les meilleurs ingrédients et la meilleure préparation font la meilleure cuisine. Ah oui, j'ai oublié un truc quand même assez majeur. Faut que je retourne de l'autre côté en fait. Bienvenue, tu veux connaître ton avenir? Ça va aller mieux, fais de ton mieux. Ok. En fait, j'ai oublié d'acheter les compétences. Tout ce qui est craft, cuisine, tout ça. Je sais pas si je peux y avoir accès, mais je pense. Vous connaissez le château de Croix? Vous obtiendrez une audience avec le roi si vous vous inscrivez à l'accueil. Crêpes, par ici les bonnes crêpes. Hein? Ah oui? Crêpes bananes. Et ça savait. Elles sont pas dégueu en vrai. On va en prendre quelques-unes. Ça me servira peut-être. C'est complètement démodé. Même à Arlia, elle ne porterait pas ça. La dernière mode, c'est là que commence la tendance. Un coup d'œil suffit pour s'en convaincre. Ouais, bah la jeune fille, elle est pas convaincue. La place de la fontaine est si calme. Oui, tu as raison, mon cher. Des glaces, des bonnes glaces. Non. Ça fait quoi? Ouais, en vrai, elles sont bien, hein. Ça restaure pas mal de PF. Bah 10% quoi. Et je pense que ça sert surtout à crafter d'autres trucs. Je sais pas à quel point le craft est poussé dans cet opus. Tu as de la glace autour de la bouche. Je suis tellement gêné. Bah, il faut pas quoi. Guilde. Ah bah en fait j'ai pas besoin de retourner de l'autre côté je pense. Connaissance, sensibilité, technique, combat. Ok. Donc. Oula. Connaissance, minéralogie, phytothérapie, recette.
Bon. Tu peux prendre le dessus dans une bataille si tu connais les techniques de combat. Par contre, tu ne pourras pas utiliser les techniques de combat à chaque fois. La plupart d'entre elles sont liées à un certain degré d'efficacité pendant le combat. Ok. Si tu améliores ton niveau d'aptitude, ton efficacité dans le combat s'accroît. Mais il vaut mieux ne pas se fier excessivement aux techniques de combat. Ouais, c'est pas tout à fait clair tout ça. Et donc, il se passe quoi là? J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Ouais. Aptitude. Ah. Mais elle a plein de trucs, elle. Pourquoi eux, ils ont rien? Ah si, ils sont là. Non, je crois que j'ai mis des points là-dedans. Ou bas. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai mis des points là-dedans. Aptitude à ne pas tenir compte des défenses de l'ennemi. Bon, c'est pas plus mal. Recette. Connaissance des ingrédients de cuisine. Les effets varient selon les éléments préférés. Selon que les éléments préférés sont mangés ou non. Ok. Aptitude à manier un couteau de cuisine. Le niveau de spécialité Reina de cuisine est passé à 3. Ok, bon. Ah ça augmente l'intelligence, c'est peut-être très utile pour elle. Oh là là, ça m'a l'air tellement compliqué tout ça. Faut absolument que je regarde la notice du jeu, je pense. Hein. L'art des fées, ça coûte cher ça. Bon, lui, à part ce machin. Ah. Ah, y a un paquet de trucs. Mais je vois pas ce que ça fait en fait de les acheter. J'ai rien vu de différent. Bref. Comme c'est romantique. Chérie, t'es magnifique. C'est à moi qui parle. Quand j'étais plus jeune, et j'étais moins vieux. Vous vous rendez à Eluria alors? Vous devrez traverser jusqu'au port de Tenue. Très bien. Oust, allez mettre vos carcasses là où c'est moins dangereux. Hors de mon chemin. Tenue, c'est un port situé sur le continent de Hell. J'ai un peu peur de voyager sur ce vaisseau. Nous y voilà. Si vous voulez naviguer avec nous, vous aurez besoin d'un passeport. Un passeport? C'est de ça dont vous parlez? Vous en avez un. Ça, c'est une surprise. Oui, nous l'avons reçu du roi en personne. Je ne vous pensais pas d'un tel rang. Quand partira le vaisseau? Dès qu'il sera chargé.
bientôt donc, je suppose. Bientôt? Peut-être pas aussitôt que vous le souhaiteriez. Pourquoi ne pas admirer le paysage en attendant? Je vois. J'ai pas très envie, mais bon. Eh hey les gosses, allez jouer ailleurs! On peut aussi jouer ici, tu sais? Le pingre! Nous avons le temps avant le départ du vaisseau. Reposons-nous sur l'un de ces bancs. Hé! Mon Dieu, ça commence bien. Ça va, Claude Chéri? Oui, ça va. De nos jours, les enfants courent sans regarder. Hey. Quelque chose ne va pas, Claude? Il s'est fait piquer un truc. J'ai perdu mon portefeuille. Quoi? Oh non. Oh non, mon chou. C'est sans doute ce gosse. On n'en sait rien, peut-être l'as-tu laissé quelque part. C'était lui, et il va être puni pour ça. Il faut le retrouver. À quoi ressemblait-il? Il était petit, je crois qu'il avait les cheveux bleus. Oui, je crois que tu as raison. Cherchons-le dans la ville. Bon bah, cheveux bleus, ça devrait pas être trop compliqué. On va commencer par le plus loin. La mère raconte toujours une histoire. Cet enfant, il est sans doute en train de s'amuser près de l'ancien entrepôt, comme d'habitude. Un petit garçon? Pas par ici. L'ancien entrepôt, bah, ça doit être sur le port, hein. On va quand même regarder là, vu qu'on est à côté. Je n'arrive pas à me décider. Ah, j'étais pas venu ici. Que diriez-vous d'un pain tout chaud? T'en veux un de pain, toi? Ah oui, mais c'est vrai que j'ai pas de thunes. Quand bien même je voudrais prendre des ingrédients pour tenter la cuisine, je sais même pas comment on s'en sert d'ailleurs. Aptitude. Bah si, ça doit être comme ça en fait. Je présume qu'ici. Ah mais là c'est juste pour mettre des points, mais comment je m'en sers en fait? Ah là. D'accord. Cuisine. Commande avancée préparant boisson et plat avec des ingrédients culinaires. Ouais, sauf que je peux pas aller plus loin. Il se passe rien. Mais du coup si je passe sur un autre. Personnalisé, alchimie. D'accord. Et elle est spécialisée dans un tas de choses quand même. Hein. Pour fabriquer des bijoux, alchimie. Ça permet peut-être de savoir un peu vers quoi on peut se diriger. Ça m'avance pas plus par contre par rapport au craft. Ancien entrepôt, on a dit que c'était par là. Je pensais que c'était là. C'est moche, toujours à jouer par ici les pestes. Qu'est-il, joue généralement tout seul près du vieil entrepôt?
Eh, ce n'est pas Ketil qui joue toujours tout seul? Ouais, mais il est où ton entrepôt? Pour moi, c'est ça l'entrepôt. Je peux pas y entrer. Boost, allez mettre vos carcasses là où c'est moins dangereux. Hors de mon chemin. Si vous cherchez un gosse, vous ferez mieux de vous adresser à un gosse. Pas à moi. C'est ce que j'ai fait, mon gars. Toujours à fourrer son nez là où il y a le plus de danger, hein. J'arrive pas à comprendre les gens comme vous. Je crois qu'il parlait du gamin. J'ai un peu peur de voyager sur ce vaisseau. Bon, on lui dit la même chose. Donc, l'ancien entrepôt, ça doit être quelque part par là. Ou par là, hein. Ça a l'air vieux, ça. Ah non, c'est la voyante. Ça, c'était l'auberge. Ah, c'est là. Ah, maintenant, je te tiens. Hé, hey, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Je te laisserai partir si tu nous rends le portefeuille que tu nous as volé. Je n'ai rien à voir avec aucun portefeuille. Laissez-moi partir. Ah, vraiment? Tu n'es pas en train de mentir par hasard? Claude, laisse-le. Si tu ne sais rien sur ce portefeuille, ce n'est pas grave. Mais si tu sais quelque chose, je veux que tu nous le dises. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes en voyage et que nous avons besoin d'argent pour continuer. Alors est-ce que tu as vu notre portefeuille? Vous voulez dire... Vous pouvez voyager avec seulement ça? Il se moque en plus. Je le savais. Claude, tu lui fais peur. On ne sera pas fâché, d'accord? Où est-il? Pourquoi as-tu volé de l'argent comme ça? C'était pour acheter quelque chose que tu voulais? Si je veux quelque chose, il me l'achète toujours. Alors pourquoi? Parce que je voulais étonner tout le monde. Étonner? Je voulais qu'ils sachent que je n'étais pas seulement un gosse de riche qui ne savait rien faire. Je suis comme les marins, je peux tout faire. Et donc tu as décidé de nous voler de l'argent, c'est ça? Tout le monde m'appelle gosse de riche et personne ne veut jouer avec moi. Eh ben, c'est donc pour ça. Bon, qu'allons-nous faire de ce jeune garçon? Nous allons commencer par récupérer notre argent. D'accord, voilà, je suis désolé. Très bien, et maintenant? Je sais, nous allons te laisser partir si tu nous promets de nous emmener faire le tour de Clique. C'est vrai? C'est la première fois que nous venons ici. Ce serait parfait si quelqu'un du coin pouvait nous emmener faire un tour. C'est pas comme si je venais te faire la visite de la ville, mais bon. Merveilleuse idée, Claude. Ça me semble un peu trop facile, mais... Alors je vous emmène faire un tour. Ça va? Ça te va? Ouais. Est-ce que je peux? Je veux. Je m'appelle Rena, et toi? Qu'est-il? Et moi Céline, enchantée.
Je m'appelle Claude. Très heureux de te rencontrer, Cathil. Ok, commençons notre tour. D'accord, je peux le faire. Bon, je présume qu'il faut juste rentrer dans chaque machin, non? Même pas. On va quand même le faire, parce que c'est ce qui s'est passé pour la toute première ville. On va éviter les allers-retours, quoi. Ouf, il est pas avec nous. C'était ma crainte. As-tu ressenti une secousse? Non, pas moi. Hé, Claude! Qu'y a-t-il, qu'est-il? C'est la place de la fontaine, vous le saviez? Faire semblant de pas savoir. Vraiment? Mais je peux te dire quelque chose? La place de la fontaine est un endroit où tout le monde peut se retrouver. On y trouve des restaurants, des magasins de vêtements et beaucoup d'autres magasins. C'est vrai? C'est là que tu joues avec tes amis? Hé, je t'ai montré quelque chose. À ton tour maintenant de m'emmener quelque part, ok? On va l'amener dans la grotte de monstres. Faut peut-être l'emmener bouffer. Ah mais non, c'est un gosse de riche. Regardez dans la cuisine, aujourd'hui nous avons un petit quelque chose de spécial. Ah oui? On va aller voir ça. J'étais pas allé à l'étage d'ailleurs. Oh, quel goût! Comment ça s'appelle? Je trouve ça plutôt bon. J'arrive pas à savoir si c'est délicieux ou dégoûtant. Quand même. Je ne sais pas si c'est les ingrédients ou la préparation. Mais j'ai envie de dégueuler. Bah, c'était bien là. Ça sent bon. As-tu parlé au propriétaire? Alors, vous voulez manger ce qu'il y a sur la table? Claude, mangeons quelque chose. T'es sûr? Bien sûr. Regarde-moi tout ça, Claude. Chef, tout cela a l'air délicieux. N'est-ce pas? Voyons voir, il y avait du... Tom Yam Kun. Tu choisir. Ça, moi, du natto. J'en ai l'eau à la bouche. Qu'est-il? Je prends celui-ci. Ok, Claude. Burk, c'est tout dégoûtant, tout gluant et ça pue. Natto. J'ai jamais testé, mais il paraît que c'est très spécial. Très poétique, Claude. Soit on aime, soit on déteste, paraît-il. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont testé, mais... Les meilleurs ingrédients et les meilleures préparations font la meilleure cuisine. Bon, et maintenant? Hé, Claude, regarde ses vêtements. À qui irait-il? À Rena. Je pensais que ça irait bien à Rena. À moi? Tu crois que ça m'irait bien? Lesquels, qu'est-il?
cela, Reina. Tu peux tourner la tête le temps que je passe ces vêtements, s'il te plaît? Ok, je crois que ça y est, tu peux regarder. C'est pas trop ça. Hein. Est-ce que t'as l'air drôle? Ah non, c'est trop. Ne me fais pas rire, mon chou. Désolé. Je regrette, excuse-moi. Pardonne-moi, mon chou, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, l'adaptation est foireuse, là. C'était génial. La prochaine fois, j'amènerai mes amis. On a quasiment fait le tour, là. Le bateau, il va être prêt à appareiller, je pense. Qu'est-il ? Hey, les enfants, pourquoi n'allez-vous pas jouer avec Qu'est-il ? Qu'est-il ? Je ne veux pas jouer avec un gosse de riche. C'est pas une raison pour ne pas jouer avec quelqu'un. Mais maman m'a dit ne joue pas avec les gosses de riche. C'est exactement ce qu'elle a dit. C'est vrai, c'est aussi ce qu'elle m'a dit ma mère. Quel est le rapport entre être riche et jouer ensemble? Qu'est-il a toujours voulu jouer avec vous? C'est ça le plus important, non? Qu'est-il? Veux-tu vraiment jouer avec nous? Oui. D'accord, alors jouons, tu sais quoi? J'ai toujours eu envie de jouer avec toi de toute façon. Moi aussi, je voulais savoir de quoi tu étais capable. Parfait, vas-y, Qu'est-il. Mais vous? Ne t'inquiète pas, d'ailleurs, nous partons en vaisseau. Merci. Hé, hey, Qu'est-il, allez, viens. C'est comme ça que les enfants devraient jouer ensemble. Tu as bon cœur, Claude. Oui, je commence à te voir sous un jour différent. Allez, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? On y va? Bah ouais, ça doit être prêt là. Ah, c'est vous. Nous sommes sur le point de partir. Vraiment? Désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais il y a encore un chargement embarqué. Profitez-en pour vérifier vos bagages et faire vos achats de dernière minute. Merci, capitaine. Bah ben, c'est bon, on est prêt là. J'ai déjà tout acheté. Bon, à mon avis, il faut juste retourner sur la place vite fait. Bizarre ça. C'était un séisme. Ça recommence. Au secours. Hey.
On ferait mieux de filer d'ici. Où es-tu, mon cher? Ah! Oh, l'enfer. Je m'attendais pas à une telle séquence. Mon stand de crêpes. Tous mes copains sont morts. Il n'y a que moi qui ai survécu. Capitaine, je suis heureux que vous ayez survécu. C'est un vrai miracle. Tous les gars ont disparu sauf lui. Comme c'est étrange. D'abord... un vent hors du commun et après ça, la terre qui se met à gronder. Qu'allez-vous faire maintenant? Sans vaisseau, je ne peux rien faire. Pour vous, par contre, il y a toujours un moyen de traverser jusqu'à elle. Comment? D'abord, je vais vous rendre votre passeport. Ça me servira pas à grand chose, peut-être. Ah si. Utilisez ce passeport du roi de croix pour vous rendre à la cour. Là, si vous pouvez obtenir la permission du roi de la cour, vous devriez pouvoir solliciter un vaisseau pour faire la traversée jusqu'à elle. Le continent de la cour. C'est un long voyage, mais prenez votre temps et vous y arriverez. Allez d'abord vers l'est de ce continent, jusqu'au port de Herli. Vous trouverez là un vaisseau pour la cour. Herli. Herli ou Herlier? Mais c'est assez loin et vous ne trouverez plus de provisions à clic maintenant. Arrêtez-vous dans le village de Mars pour préparer votre voyage. Je vois, Mars. Donc Mars, Herli, la cour. Après ce qui vient de se passer, vous voulez quand même aller à elle? Il y a des gens qui ne tirent jamais de leçons. Je vois pas trop le rapport avec ce qui s'est passé, mais... soit. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un tsunami. Alors ils ont vraiment pas de bol hein. Où es-tu mon cher? Oh le pauvre papy. Qu'est-il? Tu as raison, non tu es en vie je pense. Claude. Comment vont tes amis? Il en manque un je crois. Eh bien, j'en ai retrouvé un, mais c'est tout. Ah. Salut Az, comment ça va? Comment va ta mère? Madame a quitté Click avant le séisme, elle est donc sans doute saine et sauve. Quel soulagement. Claude. Qu'y a-t-il, qu'est-il? Tu vas bien, j'en suis heureux. Moi aussi, je suis heureux que tu ailles bien. Ouais, ça va super, merci. Je me demande si madame est saine et sauve. Oh, l'autre, elle a perdu son mari, la pauvre. Dieu du ciel, que les saints nous préservent! Pourquoi ce genre de choses arrive-t-elle? Mon café a disparu. Toutes mes possessions ont été dévastées.
Bon, au moins, j'ai pu sauver ma collection de livres de Minato-sensei. Ne penses-tu pas qu'un séisme donne un choc vertical? Avec le tsunami après le séisme, Click est foutu. Une énorme vague a soudain surgi et a tout balayé. Sans pitié le jeu là quand même. Hein. Si vous voulez vous rendre à elle, prenez d'abord un vaisseau à Early pour vous rendre au continent de la cour. Bon, c'est ce qu'il nous avait déjà dit. Donc Mars, Early, la cour. C'est parti! Je sais pas s'il y a un intérêt à aller dans l'espèce de montagne là. J'ai presque envie d'aller y jeter un œil. Ah oui, est-ce que j'ai accès à des trucs Ce sera peut-être plus tard en fait. Je sais pas. Mais non, mais... En fait, elle balance des sorts de fous furieux sur des ennemis tout pétés, quoi. En fait, je ne sais pas me servir des... Pas des spécialités, mais des aptitudes. J'ai pas compris comment ça marchait, quoi. Ou alors il y a un menu que j'ai pas trouvé. Voilà en tout cas. Bon, je verrai plus tard. Je me dis que ce machin c'est peut-être optionnel. J'y ferais bien un saut. Oh, here's the enemy. Beware. Ils me font plus de dégâts ceux-là. We have a full score with this. Ce qu'on va faire pour éviter que l'autre elle crame tous ses PM. Je sais pas combien elle en récupère maintenant. Mais elle a l'air d'en récupérer quelques-uns après chaque combat. Peut-être plus que un maintenant. Et je vais quand même aller voir par là parce que ça m'intrigue trop en fait. Peut-être le regretter. There's the enemy. We can win this. J'aimerais bien qu'elle aille taper en fait au corps à corps au lieu de glander. Bah rien que pour ça j'ai bien fait de venir. Un cristal et un comprimé lune. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, une magie lunaire améliorant les PM de celui qui les possède. Cristaux de quartz. Je pense que c'est de la résistance, le CA. Le calafoudre. Quiconque sans autorisation du roi de croix n'a pas le droit d'entrer. Bon, on va pas retourner le voir. De toute façon, il l'aurait donné, je pense. Si c'était pour maintenant. On va donc aller à l'est. Oh, it's just them. Beware. En fait, j'ai dit que j'avais pas les points cardinaux, mais c'est pas tout à fait vrai. We have a full score with this. Là-dessus, j'ai les points cardinaux. Enfin, ils suivent une certaine logique puisque la map est fixe. Donc l'est, tout
tout simplement là sur ma gauche. Oh, here's the enemy. Beware. Perdu. Voilà, récupère 1 PM par combat, j'ai l'impression, Céline. C'est pas fameux. Hein. Tu vois qu'elle en crame 15 pour un sort. Hein. Mais il y a peut-être moyen d'améliorer ça. Donc ça, ce serait Mars. Looks like we won.